Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 63 de ma carrière sur WWE 2K17. Je ne voulais pas de rival, et bah j'ai pas eu le choix. Paul Heyman m'a dit, tu vas affronter John Cena. Et moi, comme je suis docile, je lui ai obéi, hein, bien sûr. Donc, pour Night of Champions, j'aurai un match certainement contre John Cena, mais peut-être du coup aussi pour Hell in a Cell, seul gros suspense. En tout cas, j'affronte John Cena, je suis encore en solo. Toujours pas d'autres matchs avec mon partenaire AJ Styles, qui d'ailleurs est encore dans ma vidéo d'entrée, à laquelle je n'ai pas touché depuis un certain temps. Parce que j'ai la flemme. Parce que les tenues demandent déjà beaucoup de travail. Et déjà même pour les tenues, je les change un petit peu moins souvent parce que j'ai un peu la flemme. Champ is here, le champion intercontinental, John Cena, est dans le ring. Et finalement, peut-être que cette rivalité sera un mal pour un bien, parce qu'effectivement, ça peut me bloquer des matchs spéciaux pour, par exemple, Hell in a Cell, si la rivalité va jusque-là. Mais après tout, bon, nouveau champion intercontinental, si je le bats, ça ne peut que m'être bénéfique, j'imagine. En tout cas, j'ai pas le choix, mais bon. Ça va, je prends. En fait, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que du coup, j'ai pas à me soucier des rivalités moi-même. À part pour les champions, ceux que j'ai envie de défier après. Parce que je ne suis pas encore dans le top 3 pour le titre mondial. Je ne suis pas encore l'un des top 3 prétendants, mais bon. C'est... top 3 prétendants. Le truc en français, mais avec la grammaire anglaise. Top 3 contenders, yeah. Bref, je dois affronter John Cena, n'est-ce pas? The champ qui détient un titre que je n'ai jamais eu dans toutes mes carrières sur WWE 2K15, WWE 2K16 et WWE 2K17. Les autres, pas de problème, j'ai déjà été champion du monde, j'ai déjà été champion des États-Unis, champion par équipe, même champion NXT, hein, bien sûr, dans les deux jeux précédents, même si sur 2K16, ça a été très compliqué, très long et très, très casse-pied surtout. Je pense qu'à un moment, la série était un tout petit peu... comment dire, peut-être limite ennuyeuse, effectivement. J'ai même cru à un moment que j'avais un bug. Genre 3 rivalités avec le champion en étant prétendant numéro 1 pour enfin avoir un match de titre. Ça, c'était quand même un sacré calvaire. Allez, un petit bonus de dégâts, ça me paraît indispensable pour mettre en difficulté John Cena. Half Nelson Suplex. Descente du coude, magnifiquement porté. Et il est peut-être temps de placer le coup de genou. Meet your destiny. Alors merci à la personne qui m'a soufflé ce jeu de mots, parce qu'effectivement, j'avais dit affronte ton destin, et ton destin c'est mon genou. C'était dans l'épisode précédent, je crois. Hop, la Phoenix Splash ratée. Et effectivement, une personne m'a suggéré d'avoir un nouveau slogan sur mon t-shirt. Meet your destiny, mais avec destiny. Écrit à la fin avec K-N-E-E, knee du coup, le genou en anglais. Donc j'avais fait quasiment tout le boulot, et en fait j'avais pas eu l'idée de ce jeu de mots, donc merci à la personne qui me l'a soufflé. Bon, en attendant, je me suis pris un 5 knuckle shuffle de la part de John Cena, qui a, je le rappelle tout à l'heure, esquivé mon Phoenix Splash, donc il n'y a pas de raison, je vais esquiver, pas du tout, j'ai rien esquivé du tout. Si j'ai esquivé, oui, le double lay, et j'ai fait n'importe quoi encore une fois, super. J'ai pas réussi à attaquer derrière. John Cena du coup qui va pouvoir placer sa revanche. Alors là, mon contre du coup ne m'aura absolument servi à rien. John Cena qui, malgré son malus, a pu reprendre le dessus et sans contrer, parce qu'il ne pouvait pas contrer de toute façon. Et me voici donc de nouveau au sol pour peut-être un autre 5 knuckle shuffle. Et non, c'était une feinte de John Cena. Voici donc le Phoenix Splash. Alors contre John Cena, on va pas rêver, ça va certainement pas suffire. Mais ça va en tout cas l'affaiblir. Voilà, dégagement de John Cena. Attention à John Cena qui me relève. Ça devient compliqué en fait là, avec
mes contres qui sont insuffisants maintenant pour vraiment bien rivaliser avec John Cena. Donc peut-être que je vais me prendre un Five Knuckle Shuffle puis un Attitude Adjustment pour avoir l'air un petit peu plus héroïque. Je suis tenté de prendre le risque. Je suis très tenté, bien que ça en agace certains de voir que parfois je me laisse faire... Surtout les dégagements en fait, ce sont surtout les dégagements qui ont un petit peu frustré les gens au fil du temps, mais bon, hé, on y est, hein, on n'a pas le choix maintenant. Et voilà, le dégagement était pas si dur que ça, et je viens de me dégager d'un double A. Voilà, John Cena a été repoussé, il est projeté dans les cordes, on va même passer en dessous, voilà, pour avoir un petit peu plus de... Oh, un petit peu plus d'espace avec John Cena. Il est un petit peu plus d'élan et ça va peut-être même suffire pour le battre. Non, ça ne suffit pas. John Cena se dégage. Le coup de genou sur la tête. Ah non, là je peux pas me permettre de me prendre le double A. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'éviter. En revanche, moi je peux me permettre de tenter le Phoenix Splash. C'est maintenant ou jamais. Je vais même tenter d'avoir... le bonus de dégâts. Et j'ai été trop gourmand. Hop là, Cena se retrouve encore à terre. Descente du coude violente sur le dos de Cena. Et je peux peut-être du coup tenter... Allez Kev, je peux peut-être tenter le Phoenix Splash. Cette fois-ci j'ai déjà le bonus. Et ça passe, c'est bon. Le Phoenix Splash est passé, match 5 étoiles. Et je vins John Cena dans ce match incroyable. Voilà qui plante le décor. Un match qui n'a pas été extrêmement long. Ouais, quand même 10-11 minutes peut-être. Peut-être un peu plus finalement. Mais bon, un peu plus de 10 minutes en tout cas. Mais on a eu des matchs plus longs que ça qui étaient moins bien. Franchement, ce match était très intense. Et très bon également, très très bon. Mais, pour le premier, c'est moi qui gagne. Parlons de ce qui s'est passé ce soir. Oui, cette imitation de voix féminine est un peu pourrie. Hein. Mais bon, comme toujours. The Authority n'a pas arrêté ces derniers temps. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Je les déteste. Ce ne sont que des opportunistes, des traîtres. Je vais faire ce que j'ai à faire pour les virer de la WWE. Vous pouvez compter là-dessus. L'ère de The Authority touche à sa fin. Et c'est moi qui mettrai un terme. Et voilà, à vous Cole. King, this match has been building for weeks and weeks and finally comes to a culmination tonight. Uh-oh, wait a minute. What's this? What is he doing out here? Well, he has no business coming out here. Well, it looks like we're going to have a guest here at ringside. I mean, seriously, King, he has no reason to be out here. Well, look, it doesn't look like he's going to interfere in the match. There's no problem here. Oh, yeah, I'm sure he's out here just to watch as a fan. Please, you know this guy's history. Have a seat. Join us here at ringside. You got a great bird's eye view. Ouais, John Cena qui vient voir l'ancien champion intercontinental, donc à savoir l'homme qu'il a battu pour gagner son titre, et l'homme qui a battu John Cena récemment, à savoir moi. Well, there he goes, into that turnbuckle, hard, and oh look, we knew this was going to happen, Cole. Yeah, but let's not forget, there's still a match going on in the ring, but I knew it, King, I agree with you. We knew this was, it was only a matter of time before this thing just blew up. Well, there's a match in the ring, but we may have a match out here. Whoa, that's what I was afraid of. The distraction and then the shot. The lesson there is... Il y a toujours un bug avec les chaises, hein, c'est dingue. Oh purée, comment il m'a... Oh là là. John Cena qui a servi de distraction pour aider Cesaro. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qui est... Mais c'est pas légal? Monsieur l'arbitre? Monsieur l'arbitre? Il est toujours présent ce bug. Alors je l'avais constaté beaucoup plus tôt avec le mode univers, je crois.
C'est un épisode avec Kubo où j'avais vu qu'il y avait justement pas mal d'interventions comme ça. Enfin, c'est avec cette suite de cinématiques là, la personne qui vient sur le côté du ring pour encourager, pour soi-disant assister au match, et qui ensuite distrait une des deux superstars, mais qui reste quand même pour taper la superstar en question. J'ai déjà constaté ce bug. Mais apparemment il est toujours présent, donc il n'y a pas que les chaises qui sont buggées, il y a aussi cette cinématique là en fait. En tout cas cette situation là. Et ça rend le truc totalement injouable. Mais non, tu peux pas me soumettre, crétin, t'es même pas dans le match. L'arbitre fait pas son boulot, l'arbitre est aveugle. Oh là là, John Cena qui va tenter de m'avoir là. Eh ben attendez, je pense qu'il va falloir ruser un tout petit peu. Parce que là, j'ai pas trop le choix. L'arbitre ne réagit toujours pas, hein. L'arbitre n'en a absolument rien à cirer de ce qui se passe sur le ring. Voilà, je me dégage quand je veux maintenant. Match handicap désormais. Match 1 contre 2 Tornado. Stipulation décidée par Monsieur Super Cena. Alors Monsieur Super Cena va dégager. Zoup. Alors Becky, tu ne m'interceptes pas s'il te plaît. Tu ne m'interceptes pas. Sois gentille. On va ruser à fond. Eh Cesaro, tu ne cries pas sur mon manager, s'il te plaît. Alors Cesaro, tu vas surtout me suivre, en fait. Et il renverse l'arbitre, en plus. Allez, viens, Cesaro, viens. Ah, on va ruser, hein. On va ruser à fond. Viens, Cesaro, viens. Non, mais viens, Cesaro, viens. Viens, viens, Cesaro, viens. Viens, 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 mon grand. Viens, Cesaro. Allez, viens, Cesaro. Quoi, tu veux pas venir? Il est buggé à ce point-là, le jeu, quand même. C'est... Boum! Purée, mais il m'a juste poussé, monsieur l'arbitre! Je vais perdre par décompte extérieur. 4. Allez, vite, il faut que je couche Cena. Que j'attaque Cesaro après. Allez vite, je peux gagner. Je peux gagner. Cesaro qui se relève. Boum. On va échapper à Cena. Allez monsieur l'arbitre, comptez s'il vous plaît. Vas-y, tu peux me taper Cena, y a pas de problème. Tu peux me taper, y a pas de problème John. Je t'ai tapé. Ha ha. Eh ouais. Même en mode one versus all, je gagne. On s'en fout des ralentis, on s'en fout. On va revoir la fin de ce match certainement. Avec Cena qui m'attaque, mais on s'en fiche de John Cena, il a fait un truc vraiment pourri. Eh oui, je te touche avec mon coup de gauche alors que je frappe avec mon poing droit. Qu'est-ce que tu dis de ça? En situation de handicap, les gens. Situation de handicap. Et pourtant, je gagne. Le complot fomenté par John Cena n'a pas fonctionné. Et du coup, je gagne des points dans la rivalité. Ça, c'est bon. Parlons de ce qui s'est passé ce soir. Parlons de John Cena. Comment vous sentez-vous pour votre match contre lui au prochain pay-per-view? Si c'était un concours de beauté, il gagnerait sans problème. Mais ce n'en est pas un. Et encore, c'est pas vrai. Hein. C'est un match de catch. Personne n'a mes capacités techniques. Et c'est pour ça que je gagnerai. Sans aucun doute possible. Non, faut pas exagérer, concours de beauté, c'est moi qui le gagne. Non mais attends. Oh. Faut pas exagérer. Je suis beau, non? Hein, René? Dis-moi que je suis beau. Et voilà, à vous, Cole. Et c'est vrai qu'il est très beau. John Cena a l'occasion de prendre sa revanche dans le match qui va suivre.
ce match est présenté en intégralité. Ce n'est pas juste un match, c'est le match. C'est le match retour entre moi et John Cena, l'homme qui a essayé de me faire perdre un match de façon totalement injuste. Je ne sais pas comment il s'y est pris, mais il a réussi à rendre ce match contre Cesaro quasiment impossible pour moi, puisqu'il a réussi à en faire un match handicap. Et pourtant, j'ai réussi à m'en sortir, car c'est Cesaro qui était officiellement dans le match. Voilà, non seulement il en a fait un match handicap, mais il a réussi à faire en sorte de ne pas être éligible au tombé ou à la soumission. En gros, si je devais gagner ce match, je devais obligatoirement faire un tombé ou une soumission sur Cesaro. Mais comme du coup Cesaro était également vulnérable au compte extérieur, je m'en suis servi. Et là, John Cena réalise avec horreur que je suis plus malin que lui. Et là, John, tu m'as donné une bonne raison d'être très impliqué dans cette rivalité, parce que tu m'as du coup fait un coup en traître, tout simplement, alors que toi, normalement, t'es pas du genre à faire ça, mais apparemment, tu as peur de moi, tu essaies de m'enterrer, c'est ça le truc. Tu as peur de ce que je pourrais devenir, tu as peur que je prenne ta place. Oh, John Cena qui montre son vrai visage. Ah, et qui éclate le mien aussi, parce que René a dit qu'il était plus beau que lui. Allez, c'est bon, maintenant tu vas te calmer, John. Jumping freaking DDT. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Voilà, maintenant j'attaque le bras de John Cena. Car mon pote, ce match-là va pas durer super longtemps. J'ai vraiment envie de te donner une bonne leçon pour que tu ne puisses plus refaire ce que t'as fait. Et que tu me respectes un petit peu quand même. Et surtout, j'aimerais bien me débarrasser de toi à Night of Champions. Comme ça, j'aurai la voie libre pour aller à Hell in a Cell. Sans avoir de rival, et ainsi pouvoir progresser dans ma carrière, pouvoir éventuellement progresser dans le classement des prétendants au titre mondial. Voilà, John Cena qui se fait calmer. Je travaille encore son bras, parce que je vais le briser, John Cena. J'ai envie de l'humilier, j'ai envie de l'embarrasser, j'ai envie vraiment de montrer à John Cena qui est Kev Raker. Et ça, mon pote, tu seras pas prêt de l'oublier une fois que tu l'auras vu. T'inquiète pas, ouais, c'est ça. Sunset Flip, Powerbomb. Ouais, pas de problème. Je prends les dégâts sans problème. Et là, mon pote, je vais jouer normalement. Je vais peut-être me dégager dès que je peux maintenant. Hein. La preuve. T'es prévenu. Si je peux me dégager d'un de tes finishers après un, je vais pas me priver, John. Alors du coup, hop. Erreur, oh là là, il a commis une erreur, c'est cool de voir John Cena commettre des erreurs. Il ne peut pas contrer. Alors là, je vais pas faire attention à mon endurance, hors de question que je fasse ça. Le but, c'est d'infliger le plus de dégâts possible à John Cena, au niveau du bras en tout cas. Et pour l'instant, ça fonctionne extrêmement bien. Alors maintenant, le truc, ça va être de l'inciter à contrer. Afin que je puisse placer mon coup spécial. Là, pour l'instant, je me débrouille plutôt bien. Et John Cena refuse de contrer pour l'instant. Là, du coup, il va falloir que je tente. Oh, il faut absolument que je tente le disarmeur. Regardez John Cena dans quel état il est. Regardez un peu dans quel état il est. Oh, et c'est bien sûr le moment qu'il choisit pour contrer mon coup spécial. Mince, j'ai raté le contre majeur. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il va tenter un finisher? Non, il ne tente pas de finisher. Alors là, John. Non, on va pas attendre qu'il se relève. On va tout de suite attaquer le bras. Et normalement, c'est fini. Voilà, il a pas réussi à éviter
Le Disarmer, bon, Disarmer, c'est en fait c'est un jeu de mots avec, bien sûr, Her. Enfin, Disarm, donc arracher le bras, quoi. Et Her pour arrache-lui le bras, mais à elle, quoi. Attends, oh, c'est une blague? Oh, John Cena qui vient de se dégager de la prise de soumission. Il me laisse sauter sur place comme un demeuré. Alors là, par contre... Là, par contre, c'est pas cool. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas réussir à le faire abandonner, parce que là, j'avais bien fait le travail. C'est très embarrassant quand même, hein. Oh mince. Oh, ça sent mauvais, ça. Ça sent très mauvais. Oh oui, ça sent très mauvais. John Cena, malgré la douleur au bras qui parvient, à placer l'Attitude Adjustment. Et l'arbitre, oui, l'arbitre qui ne sait même plus où il est. Et je me dégage après un parce que je ne te respecte pas, John. Je ne te respecte plus, c'est terminé, ça. Ça, c'est terminé. Après ce que tu as fait, il est hors de question que je te laisse faire ce que tu as envie de faire. Alors, bien sûr... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Non, mais il se relève super vite, là, quand même. Surprise, John. Attends, John. Voilà. Surprise! Double A! Voilà une technique que je gardais au show pendant un certain temps. Depuis un certain temps, devrais-je dire. Et il se dégage de son propre Attitude Adjustment. Allez, on va un petit peu chauffer la foule. Voilà, 450 Splash. On va causer des dégâts incroyables à John Cena. Parfait, il contre. Pourquoi parfait, j'en sais rien en fait. Et il veut temporiser. Non, il veut pas temporiser. Aucunement, il ne veut aucunement temporiser. Qu'est-ce que tu as en tête, John? Si tu penses à un coup de pied, c'est pas une bonne idée. Je t'avais prévenu. Hop là, German Suplex. Avec le ponté. Il se dégage naturellement. Et alors là, John, là, si tu ne contres pas ça, tu es vraiment dans la panade. Parfait, je me mets bien du côté des cordes, comme ça, je contrôle. Oh, là, j'ai pas contrôlé son pied. Dommage. Mais, John, j'ai toujours le Phoenix Splash. Boom. Voilà. Allez, vas-y, essaie de te dégager. Il est fatigant. Oui, là, il commence vraiment à m'agacer quand même. Bon. Allez, provoque vers la foule. Encouragez-moi, youpi. Je pense que j'ai une solution. Je pense que j'ai une arme qui pourrait me permettre de vaincre John Cena. Pour l'instant, ça passe. Oui, ça va passer. Avalanche Victory Roll avec la tentative de tomber. Oh mais c'est pas vrai, mais... Oh, il m'agace. Allez, wake up. Donc tu te réveilles, tu te lèves. T'es sur tes pieds, c'est parfait. Hop là, maintenant t'es sur la tête. Il a esquivé mon moonsault. Bon, si beau moonsault, attention. Ouh, le contre était un petit peu lent. Voilà, je me suis rattrapé quand même. John Cena qui contre. Il résiste, hein. Il résiste depuis assez longtemps. Ça fait un bon moment que j'ai réussi à amener son bras dans le rouge. Voilà, parfait. Ça, tu l'as pas vu venir. Coup d'avant-bras. Frog Splash. On va le fatiguer. Mon but est de l'essouffler pour qu'il ait moins de chances de s'en sortir. Lorsque j'aurai l'occasion de porter le Disarmer. Oh, son bras est dans un sale état. Là, ça va être très dur pour John Cena. Je vais peut-être même le blesser en fait. Ce serait terrible pour John Cena. Ah mince, il va s'en sortir. Il arrive à s'en sortir, mais les dégâts ont été faits. J'ai réussi à l'essouffler malgré tout. Hop, il a pas vu venir ça aussi, il l'a vu venir, autant pour moi.
On est dans les cordes, heureusement pour moi, il faut absolument pas qu'il reprenne son souffle. Bon, tant qu'il m'attaque, c'est bon, il reprend pas son souffle. Ah mince, tout ce que j'ai fait tout à l'heure ne va servir à rien. Qu'elle reprenne tranquillement son souffle. Ah purée, la poisse. Et ça va passer. Le Five Knuckle Shuffle va passer. Ah, si je perds ce match, franchement, là, je serais dégoûté. Et c'est parti. Attitude Adjustment. J'ai deux chances de contrer. Et voilà. Pas de problème. Oh, il a reculé. Oh, il est malin. Il s'est reculé pour pas que je puisse l'attaquer. Ah, c'est dingue, hein. Pourtant, je lui fais vivre un enfer et il arrive à s'en sortir quand même. Mon pied était sous la corde. Dommage pour toi. Olé. Allez, si ça passe, il n'y a pas de problème. Moi, ça me suffit. Avec la spin-out bomb. Et il se dégage encore, hein, mais... Il est incroyable. Non, John. Fouad Kevrecker, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Il m'énerve. Oui, Kev, tu sais ce qui va arriver. Ah, mais c'est vrai que je peux pas. Alors, bizarrement, je peux pas placer le code breaker à la volée quand mon adversaire plonge. C'est assez étrange. Apparemment, il n'y a que la projection qui fonctionne. Voilà, monsieur Sina qui dégage, monsieur l'arbitre. Ouais, bien sûr, après tout, t'es chez toi, John, hein, il n'y a pas de problème. Hein? Super Sina. Oh, le contre automatique gratuit qui vient au bon moment, là. Et tu vas le bouffer, le kill switch. Voilà. Et si tu te dégages encore une fois, t'as le Dissamer qui t'attend derrière. Et là, tu t'en sortiras pas. Et là, il s'est encore dégagé. Hein. John Cena qui se dégage encore. Alors que je voulais finir ce match le plus vite possible. C'est un match qui est assez long, pour le coup. Allez, c'est fini. Ah, c'est peut-être pas encore. C'est peut-être pas fini. Il va peut-être encore s'en sortir, quoi. C'est quand même dingue. Oh purée, il s'en sort bien, quoi. Il s'en sort super bien. Mais il m'agace. Cet homme m'agace. Est-ce que je peux encore lui voler son finisher, je me demande. Non, je peux pas. Non, la technique vol de finisher, c'est uniquement une seule fois. Bon, allez, on va tenter, hein. Alors non, on va retourner John. Moi, ce que j'ai en tête, c'est le facelift. Et pour être sûr, quand même, on va quand même planter le Phoenix Splash. Comme ça, ce sera fait. Allez. C'est bon, ça passe. Toujours la petite peur qu'il contre. Oh, mais c'est... Oh, il me rend fou. Oh, mais c'est pas vrai, il me rend fou. Oh, non, mais il est incroyable. Non, mais c'est pas possible. Non, mais faut le patcher, là. Non, mais John Cena, il est incroyable. Oh, non, mais... Non, mais faites quelque chose, là. John Cena est imbattable, c'est pas possible. Non, mais j'y crois pas. Allez, descente du coude. Tu restes à terre. Oh, il arrive à s'en sortir. Il arrive à s'en sortir. Oh mince, chaise électrique. Mais vers devant. D'accord, vers l'avant. Non, je refuse. Voilà. Non, mais pourquoi t'as le bras trop court? Imbécile de Kevrecker. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non. Non, pas le Springboard Stunner. Non, je l'ai vu venir à 10 km. Tu ne placeras pas le Springboard Stunner. Allez, est-ce que tu peux rouler, s'il te plaît? Non, tu veux pas? Tant pis, c'est pas grave, je me débrouillerai. Phoenix Splash, c'est pas esquivé. Attention aux cordes, c'est bon. Et voilà. La vache!
Alors là, non mais c'était infernal. Avant le match, je me dis ok, je le finis en très peu de temps, je le finis le plus vite possible. Et à l'arrivée, je crois que c'est le plus long match de cet épisode. Alors d'ailleurs, je pense que je vais finir l'épisode après ce match, parce que là du coup, ça fait un enregistrement assez long et là je risque d'avoir du mal. Je risque d'avoir du mal à raccourcir l'épisode suffisamment pour que la durée soit raisonnable. Parce que là, mon dieu, c'était l'enfer, hein. Malgré toutes les fois où j'ai tenté le disarmeur, toutes les fois où j'ai placé des finishers, même le combo facelift plus Phoenix Splash n'a pas suffi. Oh, John Cena est heel. Oh, le vilain John Cena. Oh, le très vilain John Cena. Alors, je m'attendais pas à ça, franchement. Je m'attendais à ce que ce soit moi qui le tape, en fait. Je m'attendais à ce que la cinématique soit dans l'autre sens. Genre, je viens t'aider. Ça va, John, t'as pas trop mal? Non, t'as pas trop mal. Paf! Et là, t'as mal. Parfait. Mais là, je m'attendais pas à ça. Très franchement, je m'attendais pas à ce que John Cena soit un mauvais perdant. Je pensais avoir gagné son respect, mais là, apparemment, je l'ai bien agacé. Effectivement, plus que jamais, John Cena vient de prouver qu'il a peur de moi. Et je prends ça pour un compliment. Bon. Comme je viens de le dire, je vais arrêter l'épisode juste après ce match. Donc on aura deux matchs, au moins deux matchs dans l'épisode prochain. Un match à SmackDown, l'autre à Night of Champions, qui devrait être le match final de cette rivalité si jamais je parviens à battre donc John Cena. Alors je pense que je peux me débarrasser de John Cena à Night of Champions, hein. Je pense qu'il y a moyen au niveau de rivalité 48, mais on a déjà bien entamé la rivalité, donc je pense qu'il y a moyen de se débarrasser de John Cena. Alors effectivement, j'ai toujours pas de match avec mon nouveau partenaire AJ Styles. Bon, j'imagine qu'il est mis de côté pour plus tard, peut-être pour les plus gros matchs, peut-être qu'on aura un match par équipe à Night of Champions. J'ai quelques doutes, mais bon, ça peut toujours arriver, j'imagine, hein. Donc, énorme match contre John Cena. Lors du prochain épisode, j'aurai un match contre Dolph Ziggler à SmackDown, auquel je devrais pas trop passer de temps, je pense. Donc sur lequel je devrais pas trop passer de temps, parce que John Cena pourrait m'attaquer. John Cena pourrait se servir de Dolph Ziggler pour m'affaiblir avant Night of Champions. Donc méfiance. J'essaierai de pas passer trop de temps sur le ring contre Dolph Ziggler à SmackDown. Et après, je me débarrasserai de John Cena à Night of Champions, me libérant la voie vers Hell in a Cell est potentiellement un match spécial, donc un match logiquement Hell in a Cell, peut-être même un match à 6, un match Armageddon Hell in a Cell pour le titre WWE. Ah, ça serait cool. En tout cas, cet épisode 63 est terminé, on se retrouve bientôt pour l'épisode 64 de ma carrière sur WWE 2K17. Salut tout le monde, à la prochaine!